Если англоязычные критики в основном хвалят новый блокбастер Ридли Скотта, то французские зрители выражают смешанные чувства после просмотра «Наполеона». После показа в Фонтенбло, где когда-то находилась резиденция французского императора, одни назвали фильм грандиозным, других разочаровали исторические неточности. C'est de la merde. Non, j'ai pas aimé. C'est dommage de mettre autant d'argent dans une si belle production pour raconter autant de choses fausses. Ça commence déjà par une énorme contre-vérité historique. Le Bonaparte n'a jamais assisté à la décapitation de Marie-Antoinette, et puis comme ça tout le monde. Et puis alors des scènes, vraiment, que pour mettre entre les yeux des enfants. Quelquefois, j'ai quand même été un petit peu interpellée par le personnage de Napoléon dans son intimité. Je ne le voyais pas tout à fait comme ça, mais après tout, qu'en sait-on ? Mais c'est un film magnifique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film aussi grandiose. Историю жизни Наполеона Бонапарта экранизировали неоднократно, и зачастую фильмы о нем сопровождались спорами о достоверности фактов. «Он пришел из ниоткуда и завоевал все», — гласит слоган к фильму Скотта. Хотя и с ним многие поспорят, особенно в России.